Salut tout le monde, c'est AlutFitHD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, les gars, puisque ce sera un épisode d'une série, on va dire, si ça vous plaît en tout cas, qu'on va appeler Trade and Pack. Tout simplement, comme le nom le dit, je vais faire d'achat-revente, ensuite je vais ouvrir des packs avec ce que j'aurai gagné, tout simplement. Ça dépendra de chaque épisode. Voilà, cette série, j'espère que ça va vous plaire, tout simplement. Là, c'est le premier épisode, si c'est une série, bien sûr. On va commencer directement l'épisode avec un Axis Sanchez que j'ai acheté à 10 000 crédits et que je vais revendre aux alentours de 12 000 crédits. A noter les gars que j'avais commencé cet épisode avec 25 000 crédits, mais ça va pas se réitérer pour les prochains épisodes. Pour les prochains épisodes, je vais commencer avec 2 000 crédits, etc. Et les gars, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler pour cet épisode, ou pour cette série plutôt. Voilà, en fait, je vais faire une équipe. Et pour chaque pack que je vais ouvrir, je vais prendre seulement, exclusivement les joueurs qui ont 82 général et plus. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, je vais les placer dans mon équipe. Et une fois que l'équipe sera complète, c'est-à-dire que quand j'aurai 11 joueurs avec une note de 82 ou plus, ben alors la série va se finir tout simplement. Voilà, c'est pour pas faire long. Si elle me donne la chance, ça fera plaisir. Voilà, là on enchaîne avec des Alexis Sanchez. Il marche très bien avec ses grands teufs. Je vous le conseille très fortement. Bien sûr, voilà, il marche très bien. Là, il y a eu un petit bug. Ça bug qui fait à 15, vous le savez tous. Il y a eu un petit bug de truc. Là, j'étais déconnecté, je sais pas. Je me rappelle pas, parce que là, je suis en différé. Voilà, problème de communication, mais je suis revenu, ça a marché. Ensuite, quand j'ai fait de l'achat-revente avec ça, je suis parti acheter le pack à 35 000. C'est allé assez vite pour cet épisode, parce que voilà, j'avais 25 crédits au début quand même. Et ce que j'ai eu Godze, c'est un bon pack, on va dire, Godze et Fabregas, deux joueurs à plus de 82, ce qui va nous permettre de les placer dans notre équipe. Voilà, maintenant on a 2 sur 11 pour notre équipe. Pour un premier pack, c'est pas mal, mais c'est un pack à 35 000 quand même. On n'est pas remboursé, ça c'est sûr, mais ça fait plaisir pour cet épisode. Voilà, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire de l'achat-revente. Là, comme vous le voyez, je vais trier tout ça et tout. Je vais continuer à faire de l'achat-revente et ensuite je vais ouvrir deux packs à 7 500 pour pouvoir mieux garnir l'épisode. Et là, quand je commence avec 2 000 crédits, ce sera plus intéressant pour vous, je pense. Et l'épisode sera un petit peu plus long. Donc voilà, là je suis en train de trier ça, les contrats, etc. J'ai liste les contrats. Voilà tous les éléments du pack. Là, je suis en train de les trier tout simplement. Ensuite, les gars, je vais continuer avec de l'achat-revente avec un Jordi Alba que j'ai chopé à 5 000 crédits et que je vais revendre à 5 600 crédits si je me trompe pas. 5 600, voilà, on va voir. J'ai acheté sans contrat, normalement niveau 6 000, c'est pour ça que je l'ai mis pour 5 600 crédits pour qu'il parte plus rapidement. Voilà, ensuite j'ai enchaîné avec un autre Alba que j'ai acheté à 4 900 crédits et que je vais revendre à 5 800 si je me trompe pas aussi. Ou 5 900, voilà. Pour ce qui est de la série d'achat-revente sur FUT 16, j'ai bien vu que vous aviez choisi Neymar comme joueur sur lequel je ferai de l'achat-revente. Donc c'est noté les gars, vous aurez du Neymar sur FUT 16 pour de l'achat-revente. Tandis que là on continue avec un Boateng avec lequel j'ai gagné à peu près 1 500 crédits. Voilà, là le Boateng s'est vendu, on enchaîne avec un autre et je passe 1 100 crédits. Lui aussi marche très bien en TX49, je vous le conseille vivement. C'est facile l'achat-revente, d'autant plus lié les gars parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, donc c'est plus facile de les choper en achat immédiat en TX49, bien entendu. Là on enchaîne avec un Sanchez que j'ai chopé à 9 600 que je vais revendre à 11 250. Bon bénéfice dessus, mais c'est dommage qu'il n'y avait pas de contrat, j'aurais pu vendre à 12 000 crédits et me faire un plus gros bénéfice. Là on continue avec un autre Sanchez, j'achète à 9 000 crédits, je revends à 12 000. Donc il est parti celui-là. Celui-là, je l'ai acheté à 11 000 crédits, je vais le vendre à 12 000 lui aussi. Sanchez, il marche très bien, je pense que c'est le meilleur joueur en TX59, il est très utilisé dans les BP, donc ça fait de lui un joueur très bon pour l'achat-revente, voilà. Et là, les gars, vous voyez que je suis à 14 750 crédits, ce que je vais faire, je vais aller acheter des packs. Voilà le premier pack que je vais choper. Voilà, vous voyez Guy Cepero aussi, un joueur de 82, donc j'étais assez content puisque je pouvais le mettre dans mon équipe. Voilà, un autre joueur de plus, 3 sur 11. Un joueur de plus. Et là, il y a que du caca pour le reste. Je vais faire vente rapide. Voilà, c'est ce qui va me porter assez de crédit pour acheter un autre pack tout simplement. Voilà l'autre pack. Je vais l'ouvrir. Et là, vous voyez que je vais avoir rien du tout. Que dalle, les gars. Aucun joueur que je pourrais placer dans mon équipe. Le Pastore que je pourrais vendre. Mais bon, rien d'intéressant. Donc les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour tout simplement pour que j'en fasse une série, ce concept, voilà. J'ai eu l'idée, donc je voulais partager avec vous.
Donc si t'as les tutages, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo tout simplement.